Hallelujah. I greet you all in the name of Jesus. I want to bless you today as we are in the house of the Lord. Before we start our service, I would like to invite you to stand up and greet and welcome your brother and sister next to you. Hallelujah. I would also like to take the opportunity to greet those watching us in streaming. Thank you for following us every Sunday. May the Lord bless you and touch you wherever you are. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Brother and sister, I don't know what brought you in the house of the Lord today, this afternoon. I don't know your situation. I don't know what you are going through. I don't know your burdens. But I want to tell you that there is someone in the heaven, the one we are praising this morning. He knows your situation more than me. He carries your solution. He has the key to unlock any situation. You are here today not by hazard. You are here today because he paid the price for you. You are here today because you want to praise his name. You are here today because he deserves all the glory, all the praise, all the honor. We are here today because he's the Alpha and the Omega. He's the living God. He's the higher. He's above all God. Hallelujah. You are here today because the God of solution want to do something amazing in your life. And I believe that no matter your situation, you will not go back like that. I pray that the way you come, you will not leave this place like that, because the Lord will operate his miracle in your life today. Father, hallelujah. Thank you. Father, you are a miracle working God, and we know that even in the fire, we will not be burned. Amen. In the name of Jesus. Amen. Father, we declare that the fire will not burn us. Father, we declare that we will not drown in the waters. Amen. In the name of Jesus. And so we praise you and we say, you are the miracle working God. Come and take over this place. In Jesus' name. Hallelujah. Wonders beyond what we can expect. You will do wonderful things.
and for your own glory. Can you realize that you don't have any other God beside Him? He has done wonderful things in the past, and still this afternoon He will do wonderful things. The song is very simple. We just declare and say, I have no other gods. Come on. This afternoon there are things which can be in our life, things which can make us think that the Lord has left us alone. But this afternoon, as we are singing, we say you're the destiny changer. I want us to realize that we don't have any other God but Him alone, and He is worthy. Jehovah God is able to do miracles and wonders beyond our expectations. As you are singing, I want you to realize that there is no one else. There is no one else. He has done wonderful things, and still He will do. Raba ba 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 shando ro 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 bo sa ba 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 shando. Rada ba ba shindo ro ro bo 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 santa. Raba ba ba shere re bo santa. Rada ba 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 shanda ra ba sike. Raba ba 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 sha. Can we lift up our voices? I have no. For the Lord, can you put your hands together? Can we clap our hands together for the Lord Jesus Christ? Amen. Hallelujah. Amen. That's a beautiful quote. Very beautiful one. You can do what no man can do, and you will do what no man has done. Amen. Welcome into the presence of the Lord. Offering time. We're going to prepare for our offering time. And envelopes are coming. If your neighbor don't have any offering, please let yourself know and we'll share here. Because it's very important that we bless the Lord. We all ready. We're just going to lift our envelope and name is everybody
ready. If you don't have it, wave and we'll share together. As we say every Sunday, don't just give, name your offering. Name it blessing, name it healing. Give it a name and speak to the Lord. Let's pray. Seigneur, nous te remercions pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir contribuer à ton œuvre. Nous bénissons, Seigneur Dieu, cet argent que nous emmenons dans tes coffres, afin, Seigneur Dieu, que cette œuvre puisse aller de l'avant. Nous prions, Seigneur Dieu, pour chacun qui a une enveloppe en ce moment et qui la dépose. Toi, tu entends le nom de chaque offrande ce matin. Tu es le Dieu qui répond à la prière. Comme nous l'avons chanté, tu es capable de faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Tu es capable de faire ce qu'aucune personne ne peut faire. Et tu vas faire ce qu'aucun n'a jamais fait. Ça, c'est le nom de notre Dieu. C'est ça ta signature, Seigneur. Seigneur, tu es au-dessus de tous les dieux. C'est pourquoi quand nous levons notre offrande, ce n'est pas pour marchander avec toi, mais simplement pour te dire que nous avons un grand Dieu. Nous t'emmenons notre petite offrande, mais quand toi tu fais au-delà de ce que toi que nous te demandons. Tu fais au-delà de ce que toi nous espérons de toi. Tu fais au-delà de nos rêves. Tu fais au-delà de Seigneur Dieu de nos désirs. C'est devant ce Dieu-là que nous nous tenons ce matin. Nous venons te dire en ce lieu, reçois cette offrande, agrée cette offrande dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Pendant que l'offrande va passer, nous allons regarder nos écrans pour un peu plus d'annonces. Merci. Divine Grace Gathering. We are an assembly, a family which is grounded in the Word of God, redeemed by God's unfailing grace and experiencing God's undeserved favor. We believe that through grace, God has forgiven us of our sins and has saved us from death. We are a family with a mission to pursue God like never before, and a heart to enlarge the kingdom of God. We would like to invite you to come as you are, with all of your faults and imperfections, and we welcome you to partake in the perfect and powerful transforming grace of God. The mandate of Divine Grace Gathering is to spread the life-transforming gospel of Jesus Christ. We are determined to go out into the nations, spreading the message of grace and humanity. We believe that God is raising up a generation that will deny their flesh and ungodliness in order to live righteously for the glory of God. Divine Grace Gathering is about raising generations transformed by grace, centered on Christ, and making the rays of God's grace be reflected in all their brilliance.
Join us as we dive deep into the Word of God every Wednesday from 7 p.m. to 9 p.m. Every Friday, join us for prayer, intercession, and warfare from 7 p.m. to 9 p.m. Every first Friday of the month, we have a powerful prophetic cross night prayer from 10 p.m. And every Sunday, we have our praise and worship service from 2 to 4 p.m. You are blessed. Can we put our hands together for the Lord Jesus Christ? And if you don't mind, can you please stand? We want to praise the Lord. And our God is worthy. Amen. We call him the mighty warrior. Yes. You can turn to your neighbor and tell him, we have a mighty warrior. Yes, he's great and strong in battle. His name is Jesus. Amen. I want you to start worshiping before we hear the word of God. We'll just worship the Lord and say, you are the mighty warrior. You are great and strong in battle. You are great and strong in battle. We only say Jehovah is your name. You are the mighty warrior. You are great in battle. It's very easy. All of us are going to sing. It's a Jehovah is your name. Thank you.
Jehovah. You are the Most. You can shout for joy and say, He is the Most High God. He is the Most High God. He is the Most High God. He is worthy of our praises. He is worthy of our worship. He is worthy to be lifted on higher. He is the Most High God. Can somebody clap his hands for Jesus? Can somebody clap his hands for the Lord? He is the Most High God. Wow. Jehovah. 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 Rebrohoshaba. Jehovah. Woo! Jehovah, oh Jehovah, Father, you are the Most High, you are the Most High God, and we have come to praise your holy name, worship you and lift you on higher. I pray that you bless this time, Lord, and as we'll be hearing your word, let it be spirit and life into our hearts. In Jesus' mighty name we pray. Amen, 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 amen. Before we sit down, avant que nous puissions nous asseoir, I just want you to take your Bible together with me. J'aimerais que nous prenions nos Bibles, s'il vous plaît. We are lifting the Most High God. Nous élevons le Dieu Tout-Puissant. I want us to turn our Bibles in the book of Luke. J'aimerais que nous ouvrions nos Bibles dans le livre de Luc. Chapter 6. Au sixième chapitre. We will start reading from verse 12. À partir du verset 12. Wow, wow, wow. Is somebody being blessed this afternoon? Est-ce here? Que quelqu'un est béni ce soir? We will read from 12 to 16. Nous allons lire du 12e verset au 16e verset. The Bible says, Now it came to pass in those days that he went out to the mountain to pray and continued all night in prayer to God. And when it was day, he called his disciples to himself, and from them he chose 12, whom he also named apostles. Simon, whom he also named Peter, and Andrew his brother, and James and John, Philip and Bartholomew, Matthew and Thomas, James the son of Alphaeus, and Simon the Zealot, Judas the son of James, and Judas Iscariot, who also became a traitor. We may be seated, church. Nous pouvons nous asseoir, église. Alléluia. Alléluia. I'm feeling you're getting quiet for. I'm asking myself what is happening here. Je vois qu'on devient de plus en plus calme. Je me demande ce qui se passe. Is everything all right with all of you? Est-ce que tout va bien? Wonderful. You still want to continue? You are the Most High. You are the Most High God, Jehovah. You are the Most High, Jehovah. You are the Most High God, Jehovah. You are the Most High, Jehovah. You are the Most High God. You are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most. You are the Most High God. You are the Most High God. You are the Most High God. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. The other scripture that I want us to read, you can remain sitting. L'autre verset que j'aimerais qu'on lise. I want us to read in Acts of Apostles, chapter 1. J'aimerais qu'on lise dans les Actes des Apôtres, au premier chapitre. This is
quite a little bit longer. Cette lecture sera quand même assez longue. But it's really important for us to read that because of the destiny. Mais il est important que nous puissions le lire à cause de la destinée. Acts of Apostles chapter 1 verse 15 to 26. Acte chapitre 1er au verset 15. The Bible says, and in those days Peter stood up in the midst of all the disciples altogether, the number of names was about 120, and said, men and brethren, this scripture had to be fulfilled, which the Holy Spirit spoke by the mouth of David concerning Judas, who became a guide to those who arrested Jesus. For he was numbered with us and obtained a part of in this ministry. Now this man purchased a field with the wages of iniquity, and falling headlong, he burst open in the middle, and all his entrails gushed out. And it became known to all those dwelling in Jerusalem, so that field is called in their own language Akel Dama, that is filled of blood. For it is written in the book of Psalms, let his dwelling be desolate, and let no one live in it, and let another take his office. Therefore, of these men were accompanied us in the time that the Lord Jesus went in and out among us, beginning from the baptism of John that day to that day when it was taken up from us, one of these must become a witness with us of his resurrection. And they proposed Joseph, called Barsabbas, who was surnamed Justus, and Matthias. And they prayed and said, you, O Lord, you know the hearts of all. Show which of these of you you have chosen, of two you have chosen, to take part in this ministry and apostleship from which Judas by transgression fell, and that he might go to his own place. And they cast their lots, and the lot fell on Matthias, and he was numbered with the 11 apostles. I can feel that you know what I want to talk about. Je suis sûr que vous savez de quoi je veux parler. Today I want to finish this very big topic on vision and connections. Alors aujourd'hui, j'aimerais finir l'enseignement sur vision et connexion. It has been 2 months that I've started talking about vision. Ça fait déjà de cela 2 mois que je parle de la vision. A good preacher is the one who doesn't get lost in his preaching. Un bon prédicateur, c'est celui qui ne se perd pas dans sa prédication. I assure you, the Holy Spirit was still telling me more things. Then I said, if I start, I come back on this, I think we will go with vision and connection until June, July, maybe August. Alors le Saint-Esprit me parlait encore sur le même thème et je me suis dit, si je dois continuer, ça va aller jusque peut-être à juin. But I want to summarize and close the message today. Mais j'aimerais résumer et clôturer ce message Give aujourd'hui. Me a good amen. Donnez-moi un bon amen. Give me an amen of people who are blessed. Donnez-moi un amen des gens bénis. An amen of people who are going to prosper. Un amen des gens qui vont prospérer. An amen of people who are going to succeed in everything. Un amen des gens qui vont réussir dans tout. Help me to tell your neighbor. Aidez-moi à dire à votre voisin. For you to succeed. Pour que tu réussisses. You need to have good connections. Tu dois avoir des bonnes connexions. Look for one neighbor and tell him for you to succeed. Trouve-toi un bon voisin et dis-lui pour que tu réussisses. Good connection. Tu dois avoir des bonnes connexions. I spoke to you about bad connections. Je vous ai parlé des mauvaises connexions. And how they destroy us. Et comment elles nous détruisent. Just as I gave you the example of Delilah. Tel que je vous ai donné l'exemple de Delilah. I spoke also about good connections. Je vous ai aussi parlé des bonnes connexions.
I spoke to you even last Sunday of Barnabas. Je vous ai aussi parlé la semaine passée de Barnabas. I'm saying, Lord, give me a Barnabas, somebody who will boost me to go forward. Je nous ai dit que l'Éternel nous donne un Barnabas, quelqu'un qui va nous booster à aller de l'avant. So today, as I want to close this message, alors aujourd'hui, comme je veux bien clôturer le message, I want to make you understand something very important. J'aimerais nous aider à comprendre quelque chose de très important. All the people who will come to you, all those who will surround you, toutes les personnes qui viendront vers toi, qui vont t'entourer, all of them mustn't have the same impact over your life. Toutes ces personnes-là ne devraient pas avoir le même impact sur ta vie. Each one has a special role. Chaque personne a un rôle spécifique. So if sometimes you make confusion in the roles of the people that you're connecting with, you can destroy your destiny. Alors, s'il y a une confusion avec le rôle des personnes qui vous entourent, il peut y avoir une destruction sur votre destinée. There are people in your life, they're like Judas Iscariot. Il y a des gens dans vos vies, c'est comme des Judas Iscariot. They are called to betray you. Ils sont appelés à vous trahir. But you have to take them with you in your team. Mais vous devez quand même les prendre dans votre équipe. Without Judas Iscariot, sans Judas Iscariot, the work of the cross couldn't be done. L'œuvre de la croix ne serait pas accomplie. Judas Iscariot is in the team. Judas Iscariot est dans l'équipe. But his role is to betray Jesus. Mais son rôle est de trahir Jésus. If Jesus wasn't betrayed, he wouldn't die. Si Jésus n'était pas trahi, il n'allait pas mourir. If he didn't die, you and I, we couldn't be saved. S'il n'était pas mort, toi et moi, nous ne serions pas sauvés. Certain betrayals, il y a certaines trahisons which are in the plan of God qui for your sont success. Dans le plan de Dieu pour ta réussite. Alléluia. Oh, oh. Alléluia. Is somebody getting there? Est-ce que quelqu'un me comprend? There are certain betrayals. Il y a certaines trahisons which God aligns purposely que Dieu aligne avec intention for you to succeed. Pour afin de vous aider à réussir. Some Judas will betray you not for you only to be humiliated, but for you to accomplish the mission that you had to do in the world. Alors il y a des Judas qui vont vous trahir non pas pour vous humilier mais pour vous aider à atteindre votre objectif. I'll come back to that before I finish my message. Je veux y revenir avant de clôturer mon message. Sometimes it's very important. Des fois, c'est très important. Many people surround you. Beaucoup de gens vous entourent. But you are shocked. Jesus takes Judas Iscariot. Mais vous êtes choqué. Jésus prend Judas Iscariot. He puts him close to him. Il le met bien à côté de lui. I'm not saying Papa Roger is Judas Iscariot. Je ne dis pas que Papa Roger est Judas Iscariot. He can take the place of Peter. Alors, Papa Roger peut prendre la place de Pierre. Alléluia. Alléluia. Oh, can I hear a big amen? Est-ce que je peux entendre un bon amen? I just want to say, don't always cry when bad things happen to you. Sometimes when people betray you, they betray you for you to discover your calling and for you to enter in the fulfillment of your mission. Alors j'aimerais te dire que ne pleure pas à chaque fois que tu es trahi parce qu'il y a de ces trahisons là qui sont faites pour t'aider à atteindre ton objectif. Can you hold the hand of your neighbor? Est-ce que tu peux tenir la main de ton voisin? Tell him, neighbor, dis-lui, voisin, people will betray you. Il y a des gens qui vont te trahir. But if they betray you, mais s'ils te trahissent, it will be for your success. Mais ça serait pour ta réussite. It will be for you to succeed. Ça serait pour que tu réussisses. May the Lord turn every adversity in your favor. In laisse the name que l'Éternel of tourne toute adversité en ta faveur au nom de Jésus. So let me get deep into the message since our time is running. Alors laissez-moi aller en profondeur dans ce message. Jesus, the Bible says Jesus prayed all the night. Alors la Bible dit Jésus a prié toute la he nuit. He went to the mountain and prayed God. Il est allé à la montagne et il a prié and Dieu. And after praying all the night, et après avoir prié toute la nuit, he came down from the mountain. Il est descendu de la montagne with a revelation. Avec une révélation. On how to choose the disciples. De comment choisir les disciples. This means. Alors ça veut dire. Good connections. Les bonnes connexions. We get them. Nous les recevons only when we take time to pray. Seulement quand nous prenons le temps de prier. I have to mention this to each and every one. Je dois le mentionner à chacun de nous ici. Some of us we get into bad relationships. Certains parmi nous on entre dans des mauvaises relations. Because we didn't take time to pray and consult the Lord on our choice. Parce qu'on n'a pas pris le temps de prier, de consulter Dieu. Some of us we fail.
Certains parmi nous en échouent. Because in the choices of life that we take, parce que dans les choix de la vie qu'on fait, we didn't take time to hear what God is saying about that. On n'a pas pris le temps d'écouter ce que Dieu and dit the Bible à ce propos. Says in Luke chapter 6, et la Bible dit dans Luc 6 that Jesus prayed all the night. Que Jésus-Christ a prié toute la nuit. Just for him to choose people who will surround him. Juste pour choisir les gens qui vont l'entourer. It took time. Il a pris le temps de prier. What's your criteria when you want to choose your husband or your wife? C'est quoi tes critères quand tu veux choisir ta femme ou ton mari? I want him to be a person who will have a lot of muscles. J'aimerais qu'il soit quelqu'un avec des muscles. When he's walking, he must be walking like Obama. Quand il marche, il faut qu'il marche comme Obama. My brother, what is your criteria for choice? Mon frère, c'est quoi tes critères de choix? Ooh, I like that sister. Oh, j'aime cette sœur. When she's walking, quand elle marche. You see as if the two legs are going forward and one is going backward. C'est comme si deux jambes allaient de l'avant et une autre vers l'arrière. What's your criteria? C'est quoi tes critères? I like her smile. J'aime son sourire. Do you know that if a person was burning? Est-ce que tu sais que si quelqu'un brûlait and die, et meurt? If you see a skeleton, si tu voyais son squelette, you will think he was laughing. Tu vas penser qu'il riait. But he wasn't laughing actually. Mais il ne riait pas. That's what somebody was telling me. Prophets, don't look at people who are laughing and smiling to you. If these they are like bones. Teeth are like bones. Alors, he can be angry in his heart, but he's like. Alors, il y a quelqu'un qui me disait, prophète, ne regarde pas au sourire des gens parce que. Dans le fond, c'est pas ça. Take your choices. Prenez vos choix. After praying. Après avoir prié. And consulting God. Et consulter Dieu. Good choices of life. Les bons choix de la vie. Are taken in the presence of God. Sont prises dans la présence de I Dieu. I want somebody this afternoon to say together with me, Lord, I will not make any step forward if I don't hear you speaking to me. J'aimerais que quelqu'un dise, Seigneur, je n'avancerai pas de l'avant si tu ne me parles pas. No step without the Lord speaking to me. Je ne vais pas aller de l'avant sans que tu ne me parles. Alléluia. 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 So Jesus has chosen 12 disciples. Alors Jésus a choisi 12 disciples. Now among the 12 disciples that Jesus has chosen. Et parmi les 12 que Jésus a choisi. There has been people with different types of ages. Il y a eu des gens avec différentes tranches d'âge. There has been people with different types of profession. Avec différentes carrières. People with different types of view. Avec différentes opinions. But all of them were necessary to his ministry. Mais tous les 12 étaient nécessaires pour son ministère. You can have a person like Peter. Vous pouvez avoir quelqu'un comme Pierre. Peter was the oldest of all of them. Pierre était le plus grand de tous. Peter could be telling Jesus. Pierre pouvait dire à Jésus. No, Jesus, it's not the will of God for you to go to Jerusalem. Non, Jésus, c'est pas la volonté de Dieu pour toi d'aller sometimes à Jérusalem. You will be connected to people who can be opposing to certain of your views, but they are necessary for you to train them and transform them. Il y a des gens qui pourront être attachés à vous mais qui sont contre vos opinions, mais ils sont nécessaires pour votre vision. Sometimes we can have Peters. Des fois, on peut avoir des pierres. They can betray you. Qui peuvent nous trahir. But they are still necessary for the mission. Mais ils sont toujours nécessaires pour la mission. Oh, I don't hear your amen. Je n'entends pas votre amen. Today I'm talking like a teacher because I want you to understand something. Aujourd'hui, je parle comme un enseignant parce que j'aimerais que vous me compreniez. Peter betrayed Jesus. Pierre a trahi Jésus. Three times. Trois fois. You were with Jesus. Ah! Tu es avec Jésus. Non, il nie. I like speaking in tongues. Kamunuko. Totokolo. Apana. Alors là, Pierre refuse. Il dit non. Ngana ebiete. Il dit non, je ne le connais pas. No, I don't know him. Il dit non, je ne le connais Another pas. Another woman. Une autre femme. You. Et dit, your way of talking is like one of them. Il dit, toi, la façon de parler, tu lui ressembles. Tu étais avec lui. Man. Il dit non, je n'étais pas avec Three lui. Three times. Trois fois. How do you deal with people who betray you? Comment tu fais affaire avec les gens qui te trahissent? But do you know that the first church, mais savez-vous que la première église, the first pastor or the one who was the responsible of other apostles was the same Peter. Le premier pasteur qui était responsable de tous les apôtres, c'était le
Pierre en question. The same one who betrayed three times, le même Pierre qui a trahi trois was fois, the same who was destined to become the leader of all of them. C'était lui qui était destiné à être le leader de tous. So if Jesus was only doing things according to his feelings, alors si Jésus devrait faire les choses par rapport à ses émotions, he could have said, no, this one has betrayed me. Let him go far away from me. Il pouvait bien dire, celui-là m'a trahi, mettez-le de côté. But there are certain people who betray you today, they are going to be your strength of tomorrow. Mais il y a des gens qui vous ont trahi aujourd'hui, they will be your strength of tomorrow. Ils vont être votre force pour demain. People like Peter. Des gens comme Pierre. He betrayed Jesus three times. Il a trahi Jésus trois fois. And three times Jesus restored him. Et trois fois Jésus-Christ l'a restauré. Peter. Pierre. Son of Jonah. Fils de Jonah. Do you love me? Tu m'aimes? Yes, I do. Oui, je t'aime, Seigneur. He says the second time, Peter, son of Jonah. Il le dit encore, Pierre, fils de Jonah. Est-ce que tu m'aimes? Take care of my sheep. Prends soin de mes brebis. He said it the third time. Il a dit encore la troisième Peter, fois. Peter, son of Jonah. Pierre, fils de Jonah. Do you love me? Est-ce que tu m'aimes? Three times he betrayed Jesus. Trois fois il a trahi Jésus. And three times he had to confess that he loves him. Et trois fois, il devrait confesser qu'il aimait Jésus. I want to tell somebody, j'aimerais dire à quelqu'un, maybe you have betrayed in your past, peut-être que tu as été trahi dans ton passé, but there is still a place for you. Mais il y a encore ta place. Oh my word. Alléluia. Somebody is not here with me. Quelqu'un n'est pas là avec moi. Maybe you have betrayed. Peut-être que tu as été trahi. When you look at what happened in your past, quand tu regardes ce qui s'est passé dans le passé, it's very dirty. C'est très sale. But I'm telling you, mais je te dis, Jesus still needs you. Jésus-Christ a toujours and besoin de toi. To make you the leader. Et il veut faire de toi un leader. Be strong enough to come back to him and to be restored by his power. Sois assez fort de revenir afin qu'il te transforme. God has put in my heart to tell a person. Dieu a mis dans mon cœur de dire à quelqu'un. There is a connection which never fails. It's the connection we have with Jesus. Il y a une connexion qui n'échoue pas, la connexion avec Jésus-Christ. People of the world can leave you because you have betrayed, but Jesus will take you back and still restore you. Les gens du monde peuvent vous délaisser, mais Jésus-Christ est toujours là pour vous reprendre et vous restaurer. I wanna tell somebody, be strong. J'aimerais dire à quelqu'un, come back home. Sois courageux, sois fort et reviens. There is still a place for you in his heart. Il y a encore de la place pour toi dans son cœur. That's why we always say at Divine Grace Gathering. Voilà pourquoi nous disons toujours à Divine Grace There Gathering. Is still a place for you in God's heart. Il y a la place pour toi dans le cœur de Dieu. If there is no longer a place for you in that house, in that community, in that work, there is still a place for you in God's heart. S'il n'y a pas de place pour toi dans ce travail, dans cette communauté, dans cette maison, mais il y a de la place pour toi dans le cœur de Dieu. Alléluia. Wow. Maybe you're getting angry with me. You just want me to prophesy. I will prophesy. Peut-être que vous vous fâchez, vous voulez que je prophétise. Je veux prophétiser. Alléluia. Alléluia. Give me a good amen, oh? Donnez-moi un bon amen. Let me say it well. Laissez-moi le dire. Give bien. Me a good amen, quoi? Donnez-moi un bon amen. So there are people like Peter. Il y a des gens comme Pierre. He can be opposing to Jesus. Il peut être en train de s'opposer Peter à Jésus. Peter is the type of person he wants to show love. Pierre, c'est le genre de personne, il veut montrer beaucoup d'amour. But at the same time, he's ready to betray. Mais en même temps, il est prêt à trahir. When Jesus said, I have to go and die, Jesus must we take our swords? Alors quand Jésus dit, je dois mourir, il dit, Seigneur, devrons-nous prendre nos épées? He wants to show that Jesus will stand with you. Il veut dire, Jésus, on va se tenir avec toi. But in the time when there is weakness, mais quand il y a un peu de faiblesse, he's ready to betray. Il est prêt à trahir. But sometimes, mais quelquefois, you don't have to reject that person. Tu n'as pas besoin de rejeter cette personne. You have to work on him to make the fear be removed. Tu dois travailler sur elle pour que la peur parte. The same who betrayed him in front of three people. La même personne qui l'a trahi devant trois personnes. He preached before a crowd and won 3,000. Il a prêché devant la foule et a gagné 3,000. In one day. En une journée. We have people who, because of their fear, because of their emotions, they can betray you. But if you train them, if you know the purpose of God on their lives, you can make them to be greater people of tomorrow who are going to make a lot of people, thousands of people, to be brought to Christ just because you didn't reject them, but you took them back. Il y a des gens à cause de leur peur. Because of fear. À cause de la peur. They've betrayed you. Ils t'ont trahi.
in front of three people. Devant trois personnes. But if you give them another chance, mais si tu leur donnes une autre chance, they will change. Ils vont changer. And when the power of the Holy Spirit will come down, et quand la puissance du Saint-Esprit va descendre, they will not run away before ils ne vont three pas fuir devant trois but personnes, they will win 3,000 of people mais ils vont gagner 3,000 personnes. May God make a person who was fearful to remove every type of fear and to be stronger for Jesus. Que Dieu change la personne qui avait la peur en elle, que la peur sorte afin qu'elle soit forte pour Jésus. Alléluia. Alléluia. I want to speak to one Peter. J'aimerais parler à un Pierre. Mistakes have happened to you in the past. Des erreurs se sont passées dans le passé. But it is not written on your forehead. Mais c'est pas écrit sur votre front. But when God looks at you, mais quand Dieu vous regarde, he can see favor where other people have seen mistakes. Il voit la grâce là où stand les autres ont vu les forward. Erreurs. Lève-toi et va de l'avant. Il y a des nations qui t'attendent. Generations are waiting for you. Des générations qui t'attendent. You only need the power of the Holy God. Tu as juste besoin du Saint-Esprit afin d'avancer. So if the Lord connects you with those types of people, alors si l'Éternel te connecte avec ces genres de personnes, you don't need to reject them. Tu n'as pas besoin de le rejeter. You have to train them. Tu dois les entraîner. Alléluia. 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 Somebody's thinking. Quelqu'un pense. Ah. Il dit ah. I've rejected that person, eh? J'ai rejeté cette personne là. What can I do now? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Another one will come. Une autre va venir. Among the disciples. Parmi les disciples. Jesus has chosen certain. Jésus a choisi certains. There were a lot of hundreds of people. Il y avait plusieurs des centaines. He chose 12. Mais il a choisi 12. Among the 12, parmi les 12, he chose another 3. Il en a choisi 3. That he made to come closer to him. Qu'il a mis vraiment très proche de lui. Peter, James and John. Pierre, Jacques et Jean. Everyone mustn't have the same closeness to your life. Toutes les personnes ne devraient pas avoir la même proximité you à votre vie. In a relationship with people, according to how God has placed them around you, set boundaries. Selon how God has put them around you. Selon la façon dont Dieu les a mis autour de vous. Set boundaries. Mettez des limites. There can be hundreds of people. Il peut y avoir des centaines de personnes. But Jesus had a special relation with 12. Mais Dieu avait une relation particulière avec les 12. And among the 12, et parmi les 12, he had a special relation with another 3. Il avait encore une autre relation particulière avec les 3. Know how to select and to categorize people who can help you in life. Sachez comment choisir et catégoriser les gens qui peuvent vous aider dans la vie. If your destiny is as a tree, si votre destinée est comme un arbre, you will have three types of connections. Vous allez avoir trois sortes de connexions. Some will be like leaves. Certains vont être comme des feuilles. Leaves just come in your life when there is a season. Les feuilles viennent dans votre vie seulement à certaines saisons. They announce a season. Quand on annonce une saison, if the leaves start to fall, quand les feuilles commencent à tomber, it only means that a season is changing. Ça veut simplement dire que la saison a changé. Don't try to take all the leaves to put them back. Ne cherchez pas à reprendre toutes les feuilles tombées et de les remettre. There have been people, il y a des gens, they have stopped their season, qui ont arrêté leur saison. That's because they wanted to get stuck with certain leaves, but the leaves are there for a season. Parce qu'ils voudraient prendre avec eux certaines feuilles, mais les feuilles étaient là juste pour une when saison. When the leaves start becoming yellow, quand les feuilles commencent à être jaunes, they start falling one after another. Elles commencent à tomber. Leave them. Laisse-les. Amen. I'm teaching today. Je vous enseigne aujourd'hui. When the leaves fall, quand les feuilles tombent, They become destroyed. Elles sont détruites. They become rotten. Elles pourrissent. They will give you energy for you to have the sap. Elles vont vous donner l'énergie d'avoir la sève. It's only when leaves fall down that they get rotten, then they create the sap. C'est seulement quand les feuilles tombent et qu'elles pourrissent qu'elles vous redonnent la force d'avoir la sève. There are certain people who need to leave your life for you to have the necessary energy to move forward. Il y a des gens qui doivent quitter de votre vie afin de vous donner la force de reprendre
votre vie. Help me tell your neighbor, you need to learn to let go. Dites-moi, aidez-moi à dire à votre voisin, vous devez apprendre à laisser aller. Oh, can you change the neighbor and tell him again, you need to learn to let go. Vous devez apprendre à laisser tomber. Am I destroying somebody's heart? Am I building somebody's heart today? Est-ce que je brise le cœur de quelqu'un aujourd'hui? But some other people, mais il y a d'autres personnes. They will be like branches. Qui seront comme des branches. Branches are still there. Les branches sont toujours là. Oh, we love you. Ils disent on t'aime. We stand with you. On est là avec toi. But when it's windy, mais quand il y a la tempête when ou le vent, shaken, quand il y a le vent, certain branches will fall. Il y a des branches qui tombent. Satan will promise you, we will stand with you, but then when situations will be shaking, they will just say, oh, we tried all our best, but bye-bye. Mais il y a des branches, quand il y a le vent, qui vont dire, on sera là avec toi, on va tenir bon. Mais quand le vent est plus fort, ils vont juste lâcher et laisser tomber. Don't try to force those branches to get stuck to you. N'essaye pas de forcer à ces branches de rester collées à toi. Because they will waste your sap. Parce qu'ils vont gaspiller ta sève. Do you know that for a tree to be productive, sometimes they need to cut certain branches? No, it is taking sap for nothing. Let us cut them so that we can concentrate on what we have and make the tree to be productive. Est-ce que vous savez que des fois pour qu'un arbre soit productif, il faudra couper certaines branches afin d'aider que la sève monte, maximiser la sève. Alléluia. Alléluia. There are certain fiancés that you need to say amen. Il y a des fiancés auxquels tu dois dire too much of my energy. Tu prends tellement de mon énergie. Je coupe. I prefer getting in heaven with one hand. Je préfère aller au ciel avec un bras. Then with two hands go in hell. Mais avec deux bras et aller en enfer. Am I talking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I preaching to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pastor. I love brother Gaspar. J'aime tellement frère Gaspar. Brother Deuteronomy. Frère Deutéronome. Oh sister Chronicles. Sœur Chronique. Let's go brother Chronicles. Laisse-le partir. Sister Proverbs. Laisse sœur Proverbe partir. Brother Song of Solomon, let him go. Frère Cantique de Cantique, laisse-le partir. You know, do you know brother Song of Solomon? Est-ce que vous connaissez le frère Cantique des Cantiques? When he sees you. Quand il te voit. Oh, when I look at your eyes. Quand je vois tes yeux. They like the high beams light of the new BMW. C'est comme les phares de la nouvelle BM. Can your eyes be like the high beams light? Est-ce que tes yeux peuvent vraiment être comme les phares d'une voiture? When I look at your nose. Quand je regarde ton nez. It's like the mountain on which Donald Trump goes for holidays. C'est comme la montagne où Donald Trump va en vacances. When I look at your teeth, quand je regarde tes dents, they are so white as if all the snow of Canada was falling in your mouth. C'est comme si toute la neige du Canada était là-dessus. But brother Song of Solomon can be taking all your sap for you to get into your destiny. You need to cut him off for you to enter. Mais le frère Cantique des Cantiques peut juste être là pour prendre toute ta sève et ton péché. Apprends à dire au revoir. Am I talking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? I know it's quiet today, but it's very deep. Je sais que c'est calme aujourd'hui, mais c'est très profond. But there is another category of connections. Et il y a aussi une autre catégorie des connexions. They are roots. Ce sont des racines. Roots. Des racines. Prefer to hide. Racines préfèrent être cachées. You don't see them. Vous ne les voyez pas. They're under the ground. Elles sont sous la terre. But all the energy of the tree. Mais toute l'énergie de l'arbre. And the stability of the tree. Et la stabilité de l'arbre. Comes from the roots. Viennent des racines. Sometimes God will connect you with people. Il y a des fois l'Éternel peut vous connecter à des personnes. They are not visible. Elles ne sont pas vraiment visibles. They are not showing. Elles ne se montrent pas. But you get your strength from them. Mais tu as ta force de ces personnes-là. There are certain people sitting as you are sitting here. Il y a des personnes assises comme vous là. You don't even know their names. Vous ne connaissez même pas leur nom. But every night they kneel down and say, "Lord, protect that person." Mais chaque nuit, ils s'agenouillent et prient pour vous. Those are the types of roots you need to have. Ça, ce sont des types de racines dont vous they avez besoin. They are not visible. Elles ne sont pas visibles.
But you get all your energy and strength. Mais vous avez toute votre énergie d'elle. Those ones. Celles-là. You need to preserve them. Vous devrez les préserver. If you can let go of the leaves. Si vous pouvez laisser partir les feuilles. If you can let go of the branches. Si vous pouvez laisser partir les branches. Don't let go of the roots. Ne laissez pas partir les racines. Because if the roots leave you, you are dead. Mais si les racines vous quittent, vous êtes mort. Alléluia. Alléluia. So the prayer that I want us to pray today. La prière que j'aimerais qu'on prie aujourd'hui. After this message. Après ce message. Will be to say to God. Nous avons besoin de dire à Dieu. God, help me to know how to identify people. Seigneur, aide-moi à connaître comment identifier les gens. To know the types of people who are in my life for a season. Connaître les gens qui sont dans ma vie pour une saison. To know people who can go with me for two or three seasons and then they have to go. Des gens qui peuvent aller avec moi pour une ou deux saisons et puis me laisser partir. And to know the people who have to remain with me so that I can be stable. Et connaître les gens qui doivent rester afin que je reste stable. And that's what Jesus did. Et c'est ça que Jésus a fait. 120. 120. He chose 12. Il en a choisi 12. And among the 12. Et parmi les 12. He took another three. Il en a choisi 3 autres. Learn to categorize. Apprends à catégoriser. But among the 12, et parmi les 12, I was telling you, je vous disais, we could have somebody like Peter. On pouvait avoir quelqu'un comme Pierre. Peter was the oldest. Il était le plus âgé. John was the youngest. Jean était le plus jeune. Peter couldn't go on the chest of Jesus. Pierre ne pouvait pas aller sur la poitrine de Jésus. But John could go on the chest of Jesus. Mais Jean pouvait aller sur la poitrine de Jésus. There are certain people you can allow them. Il y a des gens que tu peux permettre. To share them the things of your heart. Avec qui tu peux partager les choses de ton cœur. But there are certain people. Il y a des gens. You need to keep professional relations. Tu dois avoir une relation professionnelle avec eux. Even in church. Même dans l'église. There are certain people. Il y a des gens. For the church to grow. Pour que l'église grandisse. Keep the relation of I'm your sister, you're my brother. Garde la relation de je suis ton frère et tu es ma sœur. The moment you start, oh, au moment où tu commences, oh, do you know about Mandarin? Est-ce que tu connais mandarin? You start crossing the border. Tu commences à dépasser les limites. And you can lose your blessing. Et tu peux perdre ta bénédiction. That's why the Bible says, et c'est pour ça que la Bible dit, if a person si quelqu'un receives a prophet, reçoit un prophète, in the quality of prophets, dans la qualité du prophète, receive the blessing of prophet, reçoit la bénédiction du prophète. It means, ça veut dire, if you receive a prophet, si tu reçois un prophète, in the quality of friends, dans la qualité d'un ami, you miss something, tu as raté l'affaire. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? If you receive a prophet, si vous recevez un prophète, in his quality of prophet, dans la qualité du prophète, then the blessing of prophets come on you. Alors là, la bénédiction du prophète sera sur vous. But if you receive a prophet, mais si tu reçois le prophète, in the quality of brother, dans la qualité du frère, he will tell you, nul n'est prophète chez soi. Il va te dire, personne n'est prophète chez soi. None is prophet in his homeland. Nul n'est prophète chez soi. Am I saying something here? Est-ce que je dis quelque chose? You can let John in your bosom. Tu peux permettre à Jean sur ta poitrine. But you can let Peter with professional relations. Mais tu peux garder Pierre un peu avec une relation later professionnelle. On, later on, mais plus tard, Jesus gave the responsibility to Peter, Dieu a donné la responsabilité à Pierre of the church, de l'église. And he gave the responsibility of his family, et il a donné la responsabilité de sa famille to John. À Jean. That's why on the cross, voilà pourquoi sur la croix, when his mother was crying, quand sa mère pleurait, he said, mother, il a dit, mère, this is your son, voilà ton fils, son, fils, this is your mother, voilà ta mère. And from that day, et de là, John took, Jean a pris Jesus' family. Il a pris la famille de Jésus. The people you put in your bosom, you will develop with them relations as a family. Les gens que tu permets de dormir sur ta poitrine, tu développes but une certaine relation de you famille. Live with them spiritual relations, mais les they will be stronger to become responsible in the church. Mais les gens avec qui tu gardes une relation professionnelle seront des grands dans la vision de Dieu.
But some pierre you make to enter in your family, they will mess up with your Mais family. Si tu permets à des pierres d'entrer dans ta Leave famille, ils vont to tout. Stay in relations of church. Laisse-les rester dans la relation de l'église. But make John to get in your bosom. Mais laisse Jean dormir sur ta poitrine. To hear the beat of your heart. D'entendre le battement de ton cœur. Because he will take care of your family. Ce qu'il va prendre soin de ta famille plus tard. Am I saying something to somebody? Oh. I said and I didn't say. I said it. Are you getting the message here? Yes. Some people God has given them good connections. Il y a des gens à qui Dieu a donné des bonnes connexions. But they destroyed them. Mais ils les ont détruites. Because they didn't know where to set the boundaries. Mais parce qu'ils n'ont pas su où mettre les limites, où placer les limites. I was even telling people in South Africa. Je disais même à des gens en Afrique du Sud. If you see me as your spiritual father. Si tu me prends comme ton père spirituel. As the father of the house, comme le père de la maison, then the covenant I have with God will alors, cover you. Alors l'alliance que j'ai avec Dieu va te couvrir aussi. Yes. But if you see me as a friend, mais si tu me prends pour un ami, I will be a good advisor. Je veux être juste un bon conseiller. But you are missing something spiritual. Mais tu manques quelque chose de spirituel. This is why I'm sorry. I'm not trying to be racist. This is why. Je m'excuse. I'm complaining a lot about the church in Africa. Alors, je n'essaie pas d'être raciste, mais voilà pourquoi je me plains des églises en Afrique. Mostly. La plupart. Ah! Hey! Pasta! Ça va? Oni pasta! Comment ça va, pasteur? C'est ce respect. You know, when I was greeting pastor. Tu sais, quand je saluais pasteur. He didn't talk to me nice, huh? Il m'a pas bien parlé, hein? Don't you see that the pastor is only speaking well with Papa Roger. He doesn't speak well with Arletty. Est-ce que tu trouves pas que le pasteur parle seulement bien avec Papa Roger mais pas Arletty? You're breaking a certain boundary. Tu brises une certaine limite. And the moment you break that boundary spiritually. Et au moment où tu brises cette limite spirituellement. The anointing you don't recognize will not be a blessing to you. L'onction que tu ne reconnais pas ne sera pas une bénédiction pour toi. That's why in the things of God, alors voilà pourquoi dans les choses de Dieu, don't say, ne dis pas. Yeah, we have a young pastor. Ne dis pas, on a un pasteur jeune. So we have a man of God. Nous avons un homme de Dieu. We have a young prophetess. Nous avons une prophétesse très jeune. A very very young prophetess among 12 13 years. Elle est vraiment jeune, peut-être 12 ou 13 ans. By the simple fact that you have put her to 12, I'm old. She. Alors juste you à cause du. Broken a spiritual principle. Alors à cause du fait que tu as juste rabaissé et tu as dit que elle est plus petite she spirituellement, tu vas manquer. She can be 12. Elle peut avoir 12 ans. But when you say she's a woman of God, quand tu dis c'est une femme de Dieu, every word coming out of her. Alors toute parole qui sortira de sa bouche devient une bénédiction pour toi. But we are used. Mais on est habitué. Oh, pasteur. Hey, pasteur. Pasteur, le lot d'une fort, hein. Alors aujourd'hui, tu as bien prêché. Tu as bien mangé. You ate too much, oh. Tu as beaucoup mangé, hein. Pasteur, aujourd'hui, tu as été gourmand. Hein? How come? Ah, pasteur, aujourd'hui, tu as été gourmand. Comment peux-tu dire ça? Comment peux-tu dire ça? In the same team of Jesus, dans la même équipe de Jésus, there were people like il y avait des gens tels que Matthew. Matthieu. Matthew was well educated. Il était tellement éduqué. High school, high studies. Des grandes études. But Peter, mais Pierre, fisherman. Un pêcheur. He didn't know anything. Il ne connaissait rien. All he knew was fish. Tout ce qu'il connaissait, c'est le poisson. In the team that you can have, dans l'équipe que tu peux avoir. I wonder maybe Matthew could come and put a perfume, very high perfume. Peut-être que Matthieu pouvait arriver avec un bon parfum. Maybe when Peter comes in, you start smelling of fish everywhere. Mais quand Pierre arrive, on sent le poisson partout. But in the same team. Mais dans la même équipe. How do you work with a person when you feel that you have to work closer and the person is higher educated and you didn't do the studies as him? Comment tu te sens quand tu es dans la même équipe avec quelqu'un qui est tellement éduqué et toi tu ne
tu n'as pas peut-être beaucoup étudié. When you learn to work together, quand on apprend à travailler ensemble, as a team, comme une équipe, then we succeed. Alors là, on réussit. But when we start putting diplomas before, mais quand on commence à mettre les diplômes d'abord, then we destroy everything. Alors là, on détruit tout. Do you know why the animals exist until today? Est-ce que vous savez pourquoi les animaux existent jusqu'à aujourd'hui? Hein? Do you know why all the animals did not die when there was the flood? Est-ce que vous savez pourquoi tous les animaux ne sont pas morts quand il y avait le déluge? Hein? Est-ce que vous le savez? Certain died, but certain survived. Certains sont morts, les autres ont survécu. Am I right? Est-ce que je suis dans le bon? Those who survived, ceux qui ont survécu, they survived because they were in the ark. Ils ont survécu parce qu'ils étaient dans l'arche. Do you believe that the lion was in the ark? Est-ce que vous croyez que le lion était dans l'arche? Let us interact. Because if he wasn't, he wouldn't be there today. Parce que s'il n'était pas là, il ne devrait pas être là aujourd'hui. Do you believe that the goat was also in the ark? Est-ce que vous croyez aussi que la chèvre était dans l'arche? Huh? Do you believe that the cat was also in the ark? Est-ce que vous croyez aussi que le chat était dans l'arche? Do you believe that the mouse was also in the ark? Vous croyez que la souris aussi était dans l'arche? Tom and Jerry. But what made them to survive? Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils puissent survivre? Because Noah built boundaries in the ark. Parce que Noé a placé des limites dans l'arche. Lion stayed there. Les lions vous restez là. The lion could look at the goat. Les lions pouvaient regarder yeah, la yeah, chèvre. Yeah, yeah, yeah. Il dit wow. If we were outside, si on était à l'extérieur, I could have been saying, Lord, thank you for this meat you are giving me. J'allais juste dire Seigneur, merci pour cette viande But que tu me donnes. We are in the ark, mais parce que nous sommes dans I l'arche, stay in my boundary. Je reste dans ma limite. You stay in your boundary. Tu restes dans ta limite. Outside, et dehors, there is death. Il y a la mort. There is flood. Il y a l'inondation, le déluge. But because we are inside, mais parce qu'on est dedans, let us support each other. Supportons-nous les uns les autres. Make you be next to one another. One is like a lion and another is like a lamb, but you have to work together. Alors cela peut faire que vous êtes un et lion et l'autre et chèvre, mais vous vivez ensemble comme équipe. One can be like the cat and another one can be like the mouse, but you in the same ark. Just understand that. Outside we will die because we are here in the ark. Let us support each other. I keep my boundary, you keep your boundary. Then we will move together. Alors l'un peut être chat et l'autre souris, mais parce qu'on est dans l'arche, on se dit on ne va pas se détruire, on doit se supporter. As I was saying, tel que je le disais, among the 12 disciples, parmi les 12 disciples, we had a disciple like, on avait un disciple tel que Simon the Zealot. Simon le zélote. The word zealot, le mot zélote, it comes from zeal. Ça veut dire zèle. It was the priests and the scribes. C'était les prêtres, les scribes. And all the Jewish. Et tous les juifs. Those who were rebelling. Ceux qui se rebellaient. Against the Romans. Contre les Romains. They were saying, "We are zealous for God. We will kill the Romans. Those who want to come and have dominion on us." Ils disaient, "On a le zèle, on va tuer les Romains." Et on va prendre notre place. And they started working almost as a political party. Et ils ont commencé à travailler un peu comme un parti politique. So when they see any person working with the Romans, et they were saying, "You are a traitor." They killed him. Et quand ils voyaient quelqu'un travailler avec les Romains, ils disaient, "Tu es traître, on va te tuer." But now Matthew. Mais alors maintenant Matthieu was a tax collector. Était un collecteur de taxes. He was working for Romans. Il travaillait pour les Romains. Imagine now Matthew. Mais imaginez maintenant Matthieu and Simon the Zealot. Et Simon le Zélote. In the normal context, dans le contexte normal, these are enemies. Ce sont des ennemis. But Jesus has chosen them in the same team. Mais Jésus-Christ les a choisis dans la même équipe. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? In normal life, dans le normal, your blood and my blood can't mix. Ton sang et mon sang ne peuvent pas. Mais parce qu'on est dans la même équipe de Jésus, on doit oublier nos différences on what will unite us.
us. Et nous focaliser sur ce qui va nous unir. What kills the church today? Ce qui tue l'église aujourd'hui. It's when people start. Quand les gens commencent. As people from Congo. Nous, les gens du Congo. As people from Ivory Coast. Nous, les gens de la Côte d'Ivoire. As people of York University. Nous, les gens de York University. Oh, as people who came from USA, USA. Nous, les gens qui sommes venus de, des États-Unis. When those things start in the church, quand ces choses commencent dans l'église, you start creating groups. On commence à créer la division. And you start destroying the work of God. Et on commence à détruire l'œuvre de Dieu. The Lord help us. Mais que l'Éternel nous aide. To know. De savoir that we can have differences. Qu'on peut avoir des différences. We can have different opinions. Nous pouvons avoir des opinions différentes. But still work in one team. Mais quand même travailler comme une équipe. And if you are Jesus, et si tu es Jésus, closing my message here, je conclue ici. If you are Jesus, si tu es Jésus, you will need Judas Iscariot. Tu auras besoin d'un Judas l'Iscariote. You know deep in your heart, tu le sais très bien dans ton cœur. That he will betray you. Qu'il va te trahir. But you need him in your team. Mais tu as quand même besoin de lui. Because his betrayal. Parce que sa trahison. Will make you fulfill the work of God. Va t'aider à accomplir l'œuvre de Dieu. And Judas are types of people. Et Judas, ce sont des types de personnes. They don't betray you with insults. Ils ne te détruisent pas avec les insultes. They don't betray you in creating rebellion. Ils ne te détruisent pas en créant de la rébellion. But mostly they will betray you with a kiss. Mais souvent ils te détruisent avec un baiser. The kiss which is a symbol of love, but Judas took it as a strategy to betray Jesus. Un baiser qui est signe d'amour, mais Judas l'a utilisé pour trahir Jésus. Get prepared. Soyez préparés et prêts. God can connect you to people. Dieu peut vous connecter aux gens. They can stand with you today. Ils vont se tenir bien avec vous aujourd'hui. But with a kiss, mais avec un baiser, they can betray you. Ils peuvent vous trahir. But just learn, mais apprenez that you need them. Mais que vous avez besoin d'eux. Because without Judas, parce que sans Judas, there is no work accomplished on the cross. Il n'y aurait pas eu l'œuvre de la croix. His betrayal, sa trahison, made the work of the cross to be fulfilled. A fait que l'œuvre de la croix s'accomplisse. And Judas, et Judas, he always loses his place. Il perd toujours sa place. And when he loses his place, et quand il perd sa place, there is always a Matthias who will replace him. Il y a toujours un Matthias qui va le remplacer. When you read in Revelations, quand vous lisez dans Apocalypse, when the Bible is talking about new heaven, new earth, quand la Bible parle des nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, the Bible speaks about the new Jerusalem. La Bible parle de la nouvelle Jérusalem. And the Bible says, et la Bible dit, the new Jerusalem is built with 12 pillars. La nouvelle Jérusalem est construite avec 12 piliers. And on the 12 pillars, et sur les 12 piliers, the names, les noms of the 12 apostles des 12 apôtres de Jésus, forever and ever, à jamais, they have their names written, ils ont leur nom écrit on the pillars, sur les piliers of the new Jerusalem, de la nouvelle Jérusalem, forever and ever, pour toujours. Why? Pourquoi? Because one day, parce que un jour, they chose to associate with somebody who didn't have even a place where to sleep. Ils ont accepté de s'associer avec quelqu'un qui n'avait même pas un endroit où se coucher. They just believed in somebody who came out of nowhere and saying, "I'm the light of the world." Ils ont juste cru en quelqu'un qui est venu de nulle part et qui a dit, "Je suis la lumière du monde." Because they only believed in somebody who was just talking and saying, "I've come to save you." Ils ont juste cru en quelqu'un qui est venu pour leur dire, "Je suis venu vous sauver." Because they believed they came in his team. Parce qu'ils ont cru, ils sont venus dans son équipe. Their names are written forever and ever. Leurs noms sont écrits pour toujours. There is a person, maybe your future is connected to a great success. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici, ton futur est connecté à un grand succès. But maybe that success, peut-être que ce succès-là, is passing through a person that if you look at him, you can neglect him today. Peut-être que ça passerait par quelqu'un si tu le regardais aujourd'hui, tu Lord, ne croirais help pas. Us. Seigneur, aide-nous.
Even if a person comes to us in weakness, même si quelqu'un venait en nous en faiblesse, let us know and understand that it will be greater. Laisse que nous puissions le reconnaître qui va être grand. And let us know that our choices of today, laisse que nous reconnaissions que nos choix d'aujourd'hui will guarantee our eternity tomorrow. Vont garantir notre réussite de demain. Lord, I thank you. Seigneur, je te remercie. Because the biggest choice that we have ever made, parce que les grands choix que nous avons faits, the biggest one, les plus grands, is the one of accepting you as our Lord and Savior. C'est celui de t'accepter dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. And by the simple fact that we have believed in you, et par le simple fait que nous avons cru en toi, our eternity is guaranteed. Notre éternité est garantie. But I pray while we are still in this world, mais je prie pendant que tu es encore dans cette, sur as cette we terre, are still in this world, que nous sommes encore sur cette terre. Help us to know who to connect with. Aide-nous à savoir avec qui nous connecter. And who not to connect with. Avec qui ne pas nous connecter. In Jesus name. Au nom de Jésus. Can we close our eyes, church? Est-ce que nous pouvons fermer nos yeux, Église? I want to ask this afternoon, j'aimerais demander ce soir, if you are here, si tu es là, you know that you have never given your life to Jesus Christ. Tu sais que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. And you want to take this choice today. Et tu veux prendre ce choix aujourd'hui. Say, Lord, I want to follow you. Tu veux dire, Seigneur, je veux te suivre. Maybe you are a church goer. Peut-être que tu vas à l'église. Maybe you go every Sunday. Peut-être que tu vas tous les dimanches. But you have never built that strong relationship with God. Mais tu n'as jamais bâti cette relation forte avec Jésus. And you want to say, Lord, I want my name to be written in the book of life. Et tu veux dire, Seigneur, je veux que mon nom soit écrit dans le livre de vie. If you're here, si tu es là, lift your right hand, I will pray with you. Lève ta main droite et je prierai avec toi. God bless you. Que Dieu te bénisse. If anybody else, we can keep our eyes closed. Nous pouvons garder nos God yeux fermés. Bless you. Que Dieu vous bénisse. Anybody else? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? God bless you. I feel que it Dieu in my vous spirit. Bénisse. I really feel it in my spirit. Je le sens vraiment dans mon esprit. It's a day of restoration for somebody. C'est la journée de la restauration pour quelqu'un. God bless you. God bless you. Que Dieu te bénisse. Don't be ashamed this day. N'aie pas honte aujourd'hui. Don't be ashamed. N'aie pas honte. It's about eternity. C'est concernant l'éternité. In eternity, we will be facing our King of glory. Dans l'éternité, nous allons voir le roi de gloire. The Lord will ask you this day. Le Dieu va te poser la question concernant 7 jours. All those who have lifted their hands, you can just stand up, remain where you are. Si vous avez levé votre main, juste levez-vous et restez là où vous êtes. You can just stand up wherever you are. Vous pouvez juste vous lever là où vous êtes. Put our hands together. Est-ce que them? Nous pouvons juste acclamer? These people are. They have said, Lord, we want gens, to walk with you. Seigneur, je veux marcher avec toi. I want all the church and all of them. J'aimerais que toute l'église et aussi ceux-là qui sont levés de les accompagner dans But cette before prière. I continue, mais avant que je ne continue, there is a category of people, il y a une catégorie de personnes. You were consecrated to God. Tu étais consacré à Jésus. But then there came a time, mais il y a eu un temps, you just got tired, tu t'es juste fatigué. And today you want to reconsecrate to God. Et aujourd'hui, tu veux te reconsacrer you want to à Dieu. Rededicate yourself to Lord. Tu veux te redédier à Dieu. I want you to stand up as well and to meet all the people standing already. J'aimerais que tu te lèves aussi. God bless you. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. God bless you. Que Dieu te bénisse. It's about our future and our eternity. C'est concernant notre futur et notre éternité. And the Lord God who is faithful, et le Dieu qui est fidèle, he wants to do something new today. Il veut faire quelque chose de nouveau aujourd'hui. I want all the church to help me accompany those who stood first. Let us all pray together and say, que l'église nous accompagne, s'il vous plaît. Let us say, Lord Jesus, Seigneur Jésus, I give my life to you. Je te donne ma vie. And I receive you et je te reçois as my personal Lord and Savior. Comme mon sauveur personnel. Today, oh Lord, aujourd'hui, Seigneur, I rededicate my life to you. Je te redédie ma vie. And I pray that you take control et je prie que tu prennes contrôle of everything. De tout. Bear with me. I know our time is gone, but I feel the Holy Spirit wants to do something today.
Je sens que le Saint-Esprit veut faire quelque chose aujourd'hui, donc soyez un peu patient, s'il vous plaît. Can you say together with me, Lord, forgive all my sins. Seigneur, pardonne tous mes péchés. And restore my soul. Et restaure mon âme. Create in me. Crée en moi. A clean heart. Un cœur pur. And renew in me. Et renouvelle en moi. A steadfast spirit. Un esprit bien disposé. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I can see it is written. Je vois c'est écrit. Restoration. Restauration. And when I see restoration. Et quand je vois restauration. I see it's written in big kienge, kienge. Je vois en grand kienge. Kienge, come forward if you're here. Kienge, viens devant si tu es là. Say kienge. Kienge. Come forward if you're here. Viens devant si tu es là. This is the day of your restoration. Aujourd'hui, c'est le jour de ta restauration. I can see the Holy Spirit. Je vois le Saint-Esprit talking to me. Me parler. That he wants to restore and to bless somebody. Qui veut bénir et restaurer quelqu'un. By the name of Solange. Par le nom de Solange. I see that Solange connected to Mambo. Je vois la Solange connectée à Mambo. Come forward if you're here. Passe devant si tu es là. There is a very big restoration for your life. Il y a une très grande restauration pour toi. God wants to restore lives. Dieu veut restaurer les vies. And all the people who have been standing, et les personnes qui sont debout, please make a step forward as well. I just want to lay my hands on you. Venez devant, je veux juste mettre ma main sur vous. The Lord wants to restore your lives. L'Éternel veut restaurer vos vies. And from this day on, et qu'à partir d'aujourd'hui, something very special will happen in your destinies. Que quelque chose de spécial se passe dans votre destinée. Just drive closer, just drive venez closer. S'il vous plaît, rapprochez-vous. Greater things will happen in your lives. Des plus grandes choses vont s'accomplir dans votre vie. The first names that I mentioned come here. Les premiers noms que j'ai mentionnés, approchez-vous s'il vous plaît. Kienge. Kienge. And Solange. Et Solange. But the Solange, I see a connection with Mambo. Mais Solange, je vois une connexion avec Mambo. If the two people are there, hold your hands. Si vous êtes là, les deux, tenez vos mains. Father, I speak restoration and blessing. Seigneur, je parle restauration et bénédiction. Raboko siando rokoboshata. Thank you, Lord. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Can you please bring it back? There is ramenez-la s'il vous plaît. In Jesus name. Dans le nom de Jésus. May the power of God touch you and restore your life. Que la puissance de Jésus-Christ te touche et te restaure. I'm seeing a shadow leaving Solange. Je vois une ombre quitter Solange. There was a spirit of death which is leaving you now. Il y a un esprit de mort qui te quitte maintenant au nom de Jésus. In the name of au Jesus. Nom de Jésus. And that says the Lord unto me. Et voilà ce que l'Éternel dit. Is restoring your life. Il restaure ta vie. I want one sister to help me holding her stomach. I want Mama Lydia, come and help me. Just hold her stomach. May the Lord touch you. Que l'Éternel te touche. May the Lord restore your que life. L'Éternel restaure ta vie. May the Lord restore your destiny. Que l'Éternel restaure ta destinée. In the name of au Jesus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. I see it on Kienge and on Solange. Je vois sur Kienge et there Solange. Is healing and restoration. Il y a une restauration right et une guérison. Receive that reçois au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Let me hold her hand. Let me hold her. Come on. Leave her. Laisse-la au nom de Jésus. Solange has a destiny of glory. Elle a une destinée de gloire. She has a destiny of glory. Elle a une destinée de gloire. Elle a une destinée de gloire. Elle a une destinée de gloire. Come out and leave her. Quitte-la au nom de Jésus. Au nom de Jésus. She will be blessed from this day. Elle est bénie à partir and de I ce jour. Mambo. Et je bénis Mambo. They will prosper. Ils vont prospérer. I see the Lord showing me. Je vois l'Éternel me montrer. You have made three steps forward. Tu as fait trois pas de l'avant. The Lord is saying, he's saying to me right now, l'Éternel me dit en ce moment. He has made you cross. Il t'a fait traverser. All the obstacles of your enemies. Tous les obstacles de tes ennemis. I'm not talking about months. I'm talking in 3 weeks. Je parle dans 3 semaines. There is a very big restoration. Il y a une grande restauration. Receive it in the name reçois-le of Jesus. Au nom de Jésus.
Father, I thank you. Seigneur, je te remercie. For these people. Pour ces personnes. Can somebody hold her? Lift up your hands. Levez vos mains, s'il vous plaît. Lift up your hands. Lève ta main, s'il te plaît. Let everything that was overshadowing the destiny of Mahawa set her free now. Que tout ce qui encombrait la destinée de Mahawa la quitte maintenant. Jesus name. Au nom de Jésus. It is well. Tout est bien. I pray. Seigneur, je prie. As I'm touching Mama Aimee, I see an angel standing behind her. Tel que je tiens Maman Aimée, je vois un ange la toucher. Bring her back. I want to pray for her. Laissez-la, on va prier pour elle. Bring her back. Emmenez-la, on va prier pour elle. May the Lord restore your lives. Que l'Éternel restaure sa vie. In Jesus name. Au nom de Jésus. May the Lord restore your destiny. Que l'Éternel restaure sa destinée. There is gift of the Holy Spirit here. Il y a le don du Saint-Esprit ici. And just as I put my hand on you, I'm seeing a star and started to shine very strong. Et pendant que je mets ma main sur toi, je vois une étoile briller très fort. May you receive that portion. Reçois cette portion au nom de Jésus. In the name of Jesus, the person au nom de Jésus. Live, the Holy Spirit is doing something. May God restore your life. Que Dieu restaure votre vie. May this commitment that you take que cet engagement que tu prends guarantee your eternity. Garantisse ton éternité. I want to pray for Mama Aimée. Je veux prier pour Maman Aimée. Please just make one, two, three steps forward. Juste fais trois pas à la, en avant. One, two, deux, trois, three. Lift up your hands. Lève tes mains. Just say with me, I receive. Dis-le, je reçois. Let a miracle happen. Laisse que le miracle s'accomplisse. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Right now. Maintenant. Right now. Maintenant. Right now. Maintenant. Right now. Au nom de Jésus. Right now. Au nom de Jésus. Right now. Au nom de Jésus. Right now. Maintenant. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. It's your day. Au nom de Jésus. And the Lord has done it. L'Éternel l'a fait. Au nom de Jésus. Let us stand up, church. Levons-nous, église. Let us stand up, all of us. Levons-nous, may église. The Lord bless you. Que l'Éternel vous bénisse. And restore your life. Et restaure vos vies. In Jesus. Au nom de Jésus. Let us put our hands together for all. Acclamons pour l'Éternel. I want to invite Mama Espérance. Je vais inviter la sœur Espérance. She will come forward. Elle va monter devant. This week I'm going to receive on Friday. Cette semaine, je veux recevoir le vendredi. But I'm gonna stop at 5. Mais je veux arrêter à 5 heures. Because we have reason. Parce qu'on a reason. We will have a very strong moments of prayer and declare the resurrection of Jesus in our lives. Nous allons avoir un service très puissant. On va annoncer la résurrection de Christ. Make sure you don't miss on Friday from 7. Rassurez-vous de ne pas manquer à partir de 19h. And on Saturday all of us will be in St. Catherine's. Et samedi nous tous on va être à Sainte-Catherine. So all those who want to go with me, we will meet here at 3 o'clock because okay, the latest we will leave from here at 3:30. Alors le plus tard que nous partirons de ce lieu sera à 3h30. 15h30, yeah. 15h30. Because we will need to start the service there at 5:30. Parce que à Sainte-Catherine on va commencer le service à 5h30. And then on Sunday. Et le dimanche. Make sure you come on time. Venez à l'heure s'il vous plaît. We will have baptism. Nous allons avoir le baptême. If you have never been baptized. Si vous n'avez jamais été baptisé. Please stay also behind today. Restez à la fin s'il vous plaît. And you will get the prayer and the teachings, and I will continue with the teachings on Wednesday as well. Et vous allez recevoir la prière et les enseignements et nous allons continuer avec l'enseignement le mercredi. And then on Sunday we will have baptism. Et le dimanche nous allons avoir le baptême. Baptism will take place here. Le baptême va avoir lieu ici même. We place a removable pool. We will put it there. On va mettre une piscine bougeable ici. So all the service and all everything will be done here. So we will be clapping hands with those who are dead and resurrected with Jesus. Et tout va se passer ici même. It's going to be very wonderful. Ça va être vraiment très bien. And then we will partake. We will have our communion. Nous allons avoir aussi la Sainte Cène. We will partake to the body and blood of Jesus as a covenant with Jesus. Nous allons partager la Sainte Cène comme alliance avec Jésus-Christ. May God bless you. Que l'Éternel vous bénisse. Today, Papa Roger will help me greeting people. Aujourd'hui, Papa Roger va se tenir avec moi pour saluer les gens. He will help me. Il va m'aider.
because I have to catch my train to Montreal. Parce que je dois vraiment courir, je vais à Montréal. In almost an hour. Dans vraiment une heure. So the people of baptism, the teaching is there and the prayer is there. Papa Roger and Sister Lydia are taking care of that. Le baptême et les enseignements, tout est là. Papa Roger et moi-même, nous allons nous en charger. Let us lift our hands and receive the prayer with the woman of God. Levons-nous et recevons la bénédiction avec la femme de Dieu. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Father Lord, we bless you. We say thank you. Merci pour l'opportunité dans ta présence. Thank you for the opportunity in your presence. Éternel, laisse que cette parole puisse transformer nos vies. Let that this word will transform our lives. Laisse que ça puisse porter de fruits dans nos vies. Let this word bear fruit in us. Bénis ton serviteur. Bless your man of God. Bénis chacun de nous dans ce lieu. Bless each and every single one of us here. Et retourne avec nous. Go back with us home. Laisse que tes anges puissent nous devancer. Let your angel go before us. Nous bénissons cette semaine. We bless this week. Sois au devant de nous. Be in front of us. Veille sur nos familles. Watch over us, Lord. Veille sur chacun de nous. Watch over us. Dans le nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. J'ai ainsi prié. We have prayed. Amen. Amen.